Bon, c'est moi. Alors, regardez, j'ai décidé de faire un petit vlog soleil-océan comme je vous fais parfois. Bon, les surfeurs, ils sont partis. Ouais, il faut dire qu'ils ont de quoi faire là aujourd'hui. Ça va être bien sympa. Corniche, hein. Je vais aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il y a du vent dans les voiles. Mais il fait tellement beau, tellement chaud. Ça surfe, ça surfe. Je ne sais pas si vous allez le voir, lui, oh, à mon avis, il a raté. Mais, vu ce qui vient derrière, ça pourrait bien le... Non. Non, il y a trop, il se casse trop tôt. Regardez si c'est beau. Elle est magnifique, ça rend pas grand chose en fait dans la vidéo, mais je vous jure qu'elle est belle, hein. Ah, ça, ce qui se passe là devant, on appelle ça une baïne, c'est assez dangereux. C'est un peu difficile de sortir de ça en fait. Alors nous sommes à la chambre d'amour, vous voyez, il y a pas mal de monde en haut. Mais étonnamment, on n'a pas peiné à se garer. D'habitude, c'est un peu la merdouille pour se garer. Moi, je me suis vue tourner 3 quarts d'heure pour trouver une place. Et ouais, des fois, je pète bien les boulons. Juillet, août, c'est un petit peu, comment vous dire, l'horreur. Bon, on est content, on a du tourisme et on en vit, donc c'est plutôt bien. Mais parfois, on serait prêt à leur dire, c'est beau la Bretagne aussi, allez voir la Bretagne. Emmener au bout, bon, ça souffle un peu, j'avoue, mais c'est tellement beau. Regardez-moi ces merveilles. Ah, on voudrait bien voir prendre la vague, lui. Ah, lui là-bas, peut-être un peu plus. Ils ont l'air plus... Ouais, les vagues, elles sont moins cassées de ce côté-là. C'est marrant qu'ils soient venus au bord de la chambre d'amour et pas au milieu. C'est étonnant. Surtout que la plage à surfeurs, c'est celle-ci. Là, c'est la plage des surfeurs. Là, c'est la plage des baigneurs. Normalement, pas de surf de ce côté-là. Bon, là, il n'y a personne dans l'eau, donc de toute façon, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que d'habitude, ils n'ont pas le droit d'aller de ce côté-là. En même temps, je peux vous certifier que quand tu prends une planche de surf dans la figure, c'est très douloureux. Moi, ça m'est arrivé une année, et je peux vous jurer que les points de suture, j'en ai un souvenir cuisant. Je me suis fait recoudre au poste de secours, sans anesthésie, sans rien. Ah, je l'ai béni, le surfeur, pauvre, il était embêté. Hein. Il m'a dit, ah mon Dieu, je regrette et tout, je suis désolée. Bah oui, j'avais surfé du bon côté. Après, c'est passé, de toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais, j'étais de colère. Outre la douleur, quand est passée la douleur, est passée la surprise, parce que tu ne t'attends pas à prendre ça dans la tête, en fait. Je ne l'ai pas vu venir, hein. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Là où c'est bien, c'est que je commençais à m'en aller un peu trop loin. Et que ça m'a peut-être fait ramener un peu plus vite que prévu.
Mais il y a plein de monde. Alors je vais arrêter de parler, je vais vous laisser regarder la merveille. Je vais retourner marcher. Bye!